Kanal K. Sans sanglots, sans endroits. Éloé. Fenêtre sur l'Afrique avec Sylvain Amos, Sena Apeto, Rodrigue Aego et d'autres collaborateurs. Sika Naomi, Josué Maouli, Esteban Gagno, Sidi Amivi, Senam Kodjo et Selam Iao. Fenêtre sur l'Afrique, c'est la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Bonsoir l'Afrique, bonsoir Bujumbura, amis auditrices, auditeurs, vous êtes nulle part ailleurs branchés sur Canal K dans l'émission Fenêtre sur l'Afrique. La mort de Pierre Nkurunziza le 8 juin 2020 a précipité sa prestation de serment le 18 juin 2020. Évariste Ndamishiye, le nouveau président du Burundi, ne veut pas perdre du temps. Il vient de former son premier gouvernement de 15 technocrates et représentatifs selon lui. Mais là où le bas blesse déjà, quelques membres de ce gouvernement sont sous le coup de sanctions internationales et plus précisément sont visés par la procédure de la Cour pénale internationale. Eh bien, ces nominations ne constitueraient-elles pas un frein dès le départ à la volonté du nouveau président de renouer avec la diplomatie internationale? Et pour en parler, nous recevons pour vous, dans une interview exclusive, Gratien Rukindikiza, président de la diaspora burundaise en Europe, FODIB. Il est également éditorialiste à Africa 24. Merci de nous être fidèles sur le www.canalk.ch. Fenêtre sur l'Afrique. Interview. Analyse. Débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique. La voix des sans-voix. La voix des opprimés. Gratien Rukindikiza, bonsoir et merci d'être l'invité de Radio Canal K en Suisse alémanique dans l'émission Fenêtre sur l'Afrique et vous nous accompagnez en ligne depuis la région parisienne. Bonsoir Amos, merci pour votre invitation. Eh bien, à peine son premier gouvernement nommé, c'est le tournoi général autour du casting du président Ndamishiye, surtout dans les milieux de défense des droits humains, pour cause la nomination de personnalités sous le coup de sanctions internationales. Alors, Gratien Rukindikiza, avant d'aller dans les détails des nommés, que pensez-vous du gouvernement? Eh bien, vous savez également qu'outre son caractère resserré, 15 membres donc, Bujumbura parle d'équipe de technocrates, de compétents et représentatifs. Alors, partagez-vous cet avis? Oui, concernant cette question de la composition du gouvernement, oui, disons, comme tous les Burundais, nous avons été surpris par ce gouvernement, parce que c'est un gouvernement, disons, il n'y a pas beaucoup de gens, peu de membres, mais déjà assez important par rapport à ce que connaît le Burundi, notamment leur composition, les deux grands généraux qui sont sanguinaires, les généraux qui sont reconnus pour leur brutalité, se retrouvent au sommet de ce gouvernement, notamment le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité
et du développement communal. Là, ça fait trois ministères qui ont fusionné pour que ce soit attribué à ce général Ndolicho Ndlekobuchai, qu'on appelle Ndakugalika, qui est surnommé surtout Ndakugalika. Bon, on ne peut pas parler d'un gouvernement des technocrates, sont surtout un gouvernement des militants, certains des généraux qui sont rompus dans les pratiques de la violence, même des, je dirais, des massacres, et d'autres qui sont plus des militants du CNDD, FDD, parce qu'ils ont bien travaillé pour, entre guillemets, pour le pays, ou pour, surtout pour le parti, et je dirais même que ce sont des militants qui viennent des provinces. Là où le CNDD et FDD a eu beaucoup de voix, et là où le CNDD a eu beaucoup de voix, cela veut dire qu'ils ont beaucoup triché. Dans les provinces où il n'y a pas eu beaucoup de tricheries, comme Bujumbura, comme le sud, Rumonge-Bururi, il n'y a pas eu de ministres qui viennent de là-bas. Donc c'est une récompense finalement à la tricherie. Et ce qu'on peut dire de ce gouvernement, ce n'est pas non plus un gouvernement des gens qui connaissent beaucoup les dossiers. Il y a certains qui sont reconduits, comme le ministre des Finances, mais on sait bien comment ça se passe. C'est pas un ministre qui a beaucoup travaillé, qui a bien travaillé pour le pays. Le ministre de la Santé, un ministre qui a pu cacher cette maladie, le coronavirus, mais en même temps, c'est un ministre qui a échoué parce que le président Nkurunziza a été emporté par le coronavirus. Beaucoup de ministres ont failli être emportés par le coronavirus, alors que c'était un tabou, on protégeait, c'était un secret. Rien n'a été préparé pour le Burundi, pour le peuple burundais. Donc, je dirais que ce gouvernement, il est, disons, ce n'est pas un gouvernement qui inspire confiance à la population. Et en même temps, on peut dire que c'est un gouvernement qui a beaucoup déçu par rapport à ce qu'on attendait du nouveau président, le président Évariste Ndayishimiye, quelqu'un qui était connu pour, disons, un homme qui n'a pas trempé dans les malversations, un homme qu'on ne connaît pas dans les dossiers des tueries, non, un homme qu'on pouvait dire qu'il avait les chances, il avait toutes les chances pour redémarrer le Burundi, toutes les chances pour ramener la paix, pour rapatrier les réfugiés, et toutes les chances pour faire la paix avec le Rwanda, et aussi, disons, apporter le vrai développement attendu par les Burundais. Alors, parmi les nominations qui préoccupent plus les détracteurs de ce gouvernement, figure en pôle position celle du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Il est sous sanction internationale et son nom serait cité dans les enquêtes de la Cour pénale internationale. Alors, Gratien Rukindikiza, quel signal envoie-t-il le président Ndayishimiye au peuple burundais, mais aussi à la communauté internationale à travers cette nomination? Et sans langue de bois, est-ce que cette nomination ne constituera-t-elle pas un frein dès le départ de la volonté du nouveau président de renouer avec la diplomatie internationale? Il y a la nomination du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du développement communal. Comme je l'ai déjà dit, ça fait trois ministères qu'on a essayé de fusionner, qu'on a mis ensemble. Alors, c'est une mauvaise nouvelle pour la communauté internationale, parce qu'il est sous le mandat de international, c'est quelqu'un qui est connu pour les tueries, et éventuellement qui pourrait être inculpé aussi par la Cour pénale internationale. Mais ça a été fait ainsi. Alors, pour la petite histoire, il faut que les gens qui ne connaissent pas l'histoire burundaise, l'actualité burundaise, même beaucoup de Burundais, disons, ignorent. Il faut d'abord retracer comment ça se passe dans le pays, qu'est-ce qui est en train de se passer. Après la mort de Nkurunziza, bien avant la mort de Nkurunziza, à qui certains généraux ont imposé Évariste Ndayishimiye pour qu'il soit candidat à la présidence, Nkurunziza a posé des conditions. Et la grande condition que Nkurunziza a posée, c'est la nomination du général Alain Guillaume Bunyoni au poste du premier ministre. C'est un homme qui est même haï au sein du CNDD-FDD. Donc, c'est une nomination qui a surpris beaucoup de gens. Et donc, Évariste Ndayishimiye a voulu respecter l'engagement. Donc, du coup, il a nommé Alain Guillaume Bunyoni. Alors, tout en sachant que Évariste Ndayishimiye était combattu par le même Bunyoni et Ndlekobuchai, qui est qu'on surnomme Ndakugalika, qui est dirigé des services de renseignement. Les deux étaient coalisés contre le général Ndayishimiye.
Alors, il y avait d'autres généraux qui ont soutenu la candidature de Ndayi Chimié, donc qui tenaient à tout prix à ce qu'il y ait cette candidature. Et donc, et ce qui s'est passé alors, c'est que il a nommé, en réalité, il a nommé Bounioni en tant que premier ministre. Et Bounioni, en tant que premier ministre, bien sûr qu'il a imposé aussi ses conditions, parce que au niveau du gouvernement, il voulait nommer un homme à lui, l'homme proche. C'est l'homme, c'est le général, donc on a surnom Ndakugalika, je veux dire, je vais te tuer, tout simplement. Ça signifie Ndakugalika, je vais te tuer. Et il est devenu, et en plus, il a confectionné son ministère d'une façon vraiment assez étrange, parce qu'il a fusionné trois ministères pour ce monsieur, c'est un ministère qui va gérer les fonds des provinces, les fonds de la sécurité publique et de la police, les fonds du développement communal. C'est-à-dire que c'est un ministère qui y aura beaucoup de fonds. On sait bien que le général Bounioni, le premier ministre, est réputé l'homme le plus corrompu dans tout le pays, l'homme le plus, disons, un des hommes les plus riches dans tout le pays, pour avoir volé l'argent des caisses de la police et autres caisses de l'État. Donc, il a imposé ce général. Et donc, du coup, ce général, donc, il est là, le général de la Korucha, parce que c'est un homme proche de lui. Et donc, du coup, le président de la République, Évariste Ndayishimiye, il est là, il contemple. Je dirais même qu'il est assez, il a pas assez de pouvoir par rapport à ce gouvernement de Bounioni, parce qu'il a mis son homme fort. Et donc, du coup, je pense que pour le moment, le président Ndayi Chimié ne peut rien faire. Et si la communauté internationale maintient les sanctions ou ne veut pas traiter avec le Burundi parce qu'il y a Bounioni et Ndakugalika, ça sera ainsi pour le Burundi, ça sera ainsi pour Évariste Ndayishimiye, parce qu'il n'a pas eu la force de ne pas mettre Bounioni, qui était devenu l'homme fort. Il faut dire que le Burundi était dirigé par trois hommes, Nkurunziza, président Nkurunziza, le général Nshimirimana, Adolphe Nshimirimana, qui était réputé très dangereux, qui dirigeait les services de renseignement, et le général Bounioni, qui dirigeait la police, la sécurité publique. Donc c'était les trois hommes qui étaient très dangereux pour le pays. Adolphe Nshimirimana a été assassiné. Nkurunziza est mort, il restait Bounioni. Et donc, du coup, Bounioni s'est imposé pratiquement en tant que premier ministre. Et il met alors à une place, bien place de choix, ce général qu'on surnomme Ndakugalika. Ça n'est ainsi, c'est tragique pour le Burundi, c'est déplorable, mais c'est ainsi ce qui se passe au Burundi. Eh bien, parlons toujours de ce gouvernement de technocrates dont parle le président Ndayishimiye. Est-il vrai que c'est la première fois qu'une personne issue de l'ethnie Twa entre au gouvernement? Si oui, quelle est votre réaction? Le problème d'ethnie se pose vraiment en politique au Burundi? C'est la première fois qu'un une personne de la communauté Twa, des gens qui étaient marginalisés depuis un bon moment, même jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de, disons, d'évolution. C'est la première fois qu'une personne de cette communauté soit ministre de la République burundaise. C'est un bon signe pour le pouvoir. Mais en même temps, il faut dire qu'au Burundi, on parlait des Twa, des Hutus, des Tutsis, mais en même temps, quelqu'un qui est nommé, il est nommé pour soi-même, il est nommé, c'est lui. On a vu beaucoup de gens, il y avait des députés, des sénateurs qui étaient là parce que c'était des Twa, les accords d'Arusha l'ont stipulé. Mais en réalité, on a vu ces gens-là construire des maisons, avoir des villas, avoir des voitures de luxe. Mais alors que la communauté des Twa restait dans la misère, il n'y a pas eu grand-chose fait pour cette communauté. Et je pense que vraiment, elle va pas faire grand-chose pour le pays. C'est juste pour être là comme un symbole, mais pour moi ça signifie rien, quelle que soit son ethnie. Mais l'important, c'est vraiment ce qu'elle peut faire, ce qu'elle veut faire. Et aussi, ce que je peux déplorer, c'est que même certains intellectuels, les gens qui ont été bien placés, ils font pas grand chose pour cette communauté. Il y a moins d'action pour cette communauté. C'est comme si finalement j'étais pauvre, je deviens riche, j'oublie les autres qui étaient pauvres. C'est de l'égoïsme, ça se voit dans plusieurs sociétés, dans plusieurs communautés. C'est déplorable.
Alors, le problème de cette ethnie n'oppose pas vraiment, ne s'oppose pas au Burundi parce que ce sont des gens qui ne parlent pas d'eux-mêmes, qui sont effacés, donc du coup, ils vont pas revendiquer leurs droits depuis l'indépendance, ils n'ont jamais revendiqué leurs droits, ils ont été laissés à part. Et on peut dire que les citoyens burundais, en principe, au niveau des familles, nous avons la terre, nous avons chaque famille a sa terre, mais sauf cette communauté des Twa. Cette communauté des Twa n'avait pas de terre. Et du coup, c'est des gens qui vivent avec la poterie, mais qui vraiment dans la grande misère. Les enfants ne vont pas à l'école, ils sont pas bien habillés, ils sont pas bien logés. Donc c'est vraiment une situation très déplorable, approche pratiquement, je dirais pas comme des pygmées qu'on voit dans la forêt équatoriale, mais c'est vraiment des gens qu'on a laissés. C'est quelque chose de bon, on y pense maintenant, mais là on y pense aussi, c'est le ministre, mais en réalité c'est vraiment une communauté qui a besoin d'être aidée, une communauté qui a besoin, je dirais, pratiquement d'un plan Marshall pour arriver à faire ce que les autres, pour qu'ils soient, disons, rehaussés. Parce que dans ce genre de choses, il faut ce qu'on appelle l'affirmative act, il faut une sorte de ségrégation positive. Sinon, on n'a pas, on peut pas voir vraiment comment cette communauté pourrait, disons, évoluer par rapport aux autres. Ce n'est pas en nommant une dame ministre que la question va se régler. Même si elle s'occupe de la solidarité nationale, je ne sais pas si vraiment elle va faire. Elle n'aura pas le temps, elle n'aura pas la force. Et éventuellement, je pense que plus. Elle n'aura pas le courage. C'est plus le courage. Parce que si elle a le courage, elle peut vraiment avoir beaucoup de choses pour cette communauté. Ça serait une bonne chose pour tous les Burundais, pour de voir cette ethnie qui a été en marge du développement, qui a assisté pratiquement à la lutte entre certains, les intellectuels Hutus et d'autres intellectuels Tutsis. Donc c'est, disons, c'est un bon geste, le premier pas, mais espérons qu'il y aura un deuxième pas. Mais justement, là, on voit que vous maîtrisez très bien la situation sociopolitique au Burundi, qui est d'ailleurs votre pays d'origine. Et Cassien Rukindikiza, maître Armel Nyongere, coordonnateur du collectif d'avocats de victimes de la répression au Burundi, a déclaré, constater que nombre de membres du gouvernement nouvellement nommé ont été cités dans le cadre des enquêtes menées à la CPI. Alors, il poursuit en disant que si des mandats d'arrêt sont émis, il faudra en assurer l'exécution. Or, le Burundi avait claqué la porte de la CPI juste avant l'annonce publique de l'ouverture d'une enquête. Alors, Gratien Rukidikisa, que vaudront réellement d'éventuels mandats d'arrêt? S'il y a des mandats d'arrêt contre les gens qui sont au pouvoir, même les gens qui ne sont pas au pouvoir, dans tous les cas, le Burundi, tel que le gouvernement actuel, ne mettra jamais en pratique ces mandats. Il y aura personne qui sera arrêté, parce que s'il faut arrêter, on ne va pas commencer par le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du développement communal, ils vont pas être arrêtés. Donc le Burundi va dire, on va pas estrader nos gens. S'il y a des qu'on nous ramène un dossier ici, qu'ils soient jugés ici, mais ils vont même pas être jugés. Je pense à l'état actuel des choses pour le parti CNDD-FDD avec sa milice Imbonerakure. Ils vont préférer finalement avoir les sanctions, avoir tout, mais jamais, jamais ils vont céder sur ce point. On pouvait penser finalement que Evariste Ndayishimiye allait céder, éventuellement allait s'ouvrir à la communauté internationale, mais la nomination du Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni, disons, a montré finalement qu'il n'y a pas, il n'y a aucun espoir sur ça. Et donc, le Burundi va rester à l'état actuel. C'est la continuité. Il a dit, il est l'héritier de Nkurunziza. Finalement, ça, il va faire la continuité. Je dirais même la continuité négativement. Il va aller au-delà de Nkurunziza dans le négatif. Il n'ira pas dans le positif, d'après les premiers signes, d'après ce qu'on voit au début, à moins que, il se passe quelque chose, à moins qu'il arrive à s'affranchir du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur. Parce que ce sont les gens qui, les Burundais, attendaient qu'ils soient mis à l'écart dès le départ. Mais la grande surprise, ce sont les deux qui ont été mis à des places assez importantes. Ce qui est vraiment très très déplorable pour les Burundais et même décourageant, décourageant parce qu'il y avait beaucoup de gens de l'extérieur, des réfugiés qui pensaient qu'ils allaient rentrer, des Burundais qui sont à l'intérieur qui pensaient que la situation allait se normaliser, qu'il y allait y avoir des devises, la coopération pour qu'il y ait du travail, pour qu'il y ait de l'argent.
pour qu'il y ait des affaires, mais finalement, il n'y aura rien. C'est dommage. Bon, on pourra. C'est ce qui va se passer. Quant au mandat, les mandats, il va y avoir les mandats, mais il n'y aura pas d'exécution de ces mandats, à moins qu'ils soient arrêtés à l'étranger. Je vois aucun pays africain qui pourra se mettre à arrêter ces gens. Surtout que le Burundi, le pouvoir burundais est soutenu par le gouvernement tanzanien, et on sait bien que la Tanzanie occupe une place importante au niveau de la sous-région et aussi au niveau de l'Afrique. C'est l'image de Nyerere, l'ancien président Nyerere, qui a laissé une bonne image de la Tanzanie, qui fait que la Tanzanie reste encore respectée. Dernière question pour vous libérer en ligne depuis la région parisienne. Alors, malgré le fait que le président Ndayishimiye soit un fidèle parmi les fidèles depuis des décennies du feu Pierre Nkurunziza et d'être un des éléments incontournables du clan des ex-généraux au pouvoir, une petite lueur d'espoir avait germé au lendemain de la disparition de Pierre Nkurunziza. D'aucuns ont semblé espérer que le nouveau président était chargé d'un poids politique, alors que pouvait représenter Nkurunziza sur ses épaules. Alors, Glacien Rukindikiza, sa nomination dans le gouvernement réduirait-elle à néant cet espoir? Bien sûr que la mort de Nkurunziza avait laissé planer un espoir. Les gens pensaient que après la mort de Nkurunziza, qui était le guide suprême du patriotisme, c'est-à-dire qu'il sortait de commun Ayatollah Khamenei, Ayatollah, ce sont des grands donc qui pouvaient diriger sans être au pouvoir. Il allait devenir comme un monarque, comme le roi, le grand roi du pays. Et donc du coup, Évariste Ndayishimiye allait écouter ses ordres et allait exécuter ses ordres. C'est pratiquement comme l'histoire se rejouait avec Nkurunziza au début en 2000, 2005, 2006, quand il y avait la Jabou qui donnait les ordres, Nkurunziza qui exécutait. Là, j'avoue qu'il était le secrétaire général du parti CNDD-FDD, pratiquement qui était lui le vrai maître du pays. On pouvait négocier avec Rajabu de tout, y compris de tout, de l'armée, de tout, du pays. C'est lui qui décidait en dernier ressort. Donc, on pouvait discuter avec lui des choses du pays. C'est arrivé à beaucoup de gens. Moi, je dirais même moi personnellement, j'ai déjà rencontré plusieurs fois. J'avais déjà rencontré plusieurs fois Rajabu pour négocier des choses du pays. Donc il avait la main, sur le pouvoir. Et c'est ce que Nkurunziza voulait faire. Mais après la mort de Nkurunziza, on se disait bien, Évariste Ndayishimiye, il s'affranchit de Nkurunziza. Bon, la mort l'a franchi de Nkurunziza et il va avoir les mains libres pour faire tout ce qu'il veut parce que c'est un homme qui était connu. On se disait, c'est un homme qui va faire du bien pour le pays. Il y avait beaucoup d'espoir, les gens espéraient. Mais quand on a vu la nomination de Alain Guillaume Mignoni, c'était la douche froide. Et surtout avec la nomination de ce général qu'on surnomme Ndakugalika au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, ça a été désespoir. Ça a été comme vraiment, je dirais, le Burundi s'enfonçait. Il y avait le ciel qui tombait sur le Burundi. Les gens envoyaient des échanges sur les réseaux. Donc c'est vraiment très très déplorable. C'est on ne sait pas ce qui va se passer aujourd'hui. Et finalement, Évariste Ndayishimiye n'a plus les mains libres. Il est dirigé. Avant, on disait qu'il serait dirigé par les généraux, mais on espérait qu'il soit dirigé par les généraux qui sont bien. Bon, on pouvait espérer que le ministre, le chef d'état-major, le général Niyongabo, prime, qui soit proche de Ndayishimiye, donc du président Ndayishimiye, donc qu'il allait vraiment bien conseiller le président. Mais finalement, c'est lui qui est arrivé en tant que premier ministre. C'est le général Alain Guillaume Bouyouni, l'ennemi, je dirais même l'ennemi de général Niyongabo, prime, chef d'état-major, c'est-à-dire le chef d'état-major de l'armée, est opposé au premier ministre, ce qui fait que même, non, il y a le groupe, en fait, qui est le groupe du chef d'état-major de l'armée, avec le directeur du cabinet civil du président, qui sont alliés au président. Le chef d'état-major du président, qui est aussi le directeur de cabinet civil du président, qui est aussi un général. Et donc, l'autre groupe du premier ministre avec son ministre de l'Intérieur. Vous voyez bien que c'est quelque chose de compliqué. C'est une donne vraiment très compliquée en Afrique. Ce n'est pas comme le Congo, RD Congo. C'est autre chose.
Et on ne sait pas vraiment ce qui va se passer finalement. Même les nominations, on peut dire que les nominations, Evariste Ndayishimiye, s'il a joué, en fait, c'était une sorte de... C'est comme on mettait une carte, vous voyez bien, le partage de l'Afrique à Berlin. Et les uns se disaient, moi, c'est ça, et vous, c'est là. Donc, même les ministères, chacun, il dit, ces ministères, c'est pour moi, l'autre, ces ministères, je place les miens. Donc, finalement, bah, voilà ce qu'on a. Et l'espoir est beaucoup réduit. On ne sait pas ce qui va se passer demain. On espère tous, les Burundais, on va attendre. Merci beaucoup, Glacien Rukindikiza, de nous avoir accompagnés en ligne depuis la région parisienne. Je rappelle que vous êtes président de la diaspora burundaise en Europe, FODIP. Vous êtes également éditorialiste à Africa 24. Bonsoir. Je remercie la radio Canal pour la Canal Suisse pour la. Pour l'interview et puis pour m'avoir donné la parole. Merci Amos pour votre interview. Et puis je pense qu'on pourra encore une fois parler de, soit du Burundi, soit de la région des Grands Lacs ou la région de l'East Africa Community. Bon courage et je salue aussi les auditeurs. Merci. Canal Kra.